19 à côté, secrétaire général de la Confédération de travail haïtien CTH et qui en même temps c'est Fédération nationale de travail en éducation et en culture FENATEC. Elle en a parlé de René Préville Joseph qui mourit hier dimanche, qui était 27 juin 2021, mais suite avec un complication, problème de gabouli capable respirer, selon information qui confirmée par maître Jean Bonal Fatal et Dominique Saint-Éloi. Une à côté au fait secrétaire général de la Confédération de travail travailleuse secteur public à cap privé CTSP et coordonnateur général coordination nationale ouvrier haïtien CNOA. Là, on a parlé de Dominique Saint-Éloi. Ben, il fait comprendre, il fait connaître. Mais René Préville, Joseph, lui-même, c'est frappé par COVID-19 et il était porté en urgence dans l'hôpital samedi, dans l'hôpital Saint-Luc, dans la commune Tabar. Mais malheureusement, soin que les patients prennent à temps parce que moi, j'étais parlé avec un syndicaliste, ben, mais qui me dit ça, qui c'est, et Georges Wilbert Franck, elle aime pas la veille, elle dit, il y a un problème qui explique, bon, qui, on dit, quand on a mort, René Préville Joseph, c'est parce que dans l'hôpital, il y a des problèmes en carburant, problèmes gaz, pour te permettre que l'hôpital là, t'es capable de fonctionner comme ça doit, et majorité malade, qui ont même l'autre bois, il y a des grosses difficultés pour capable prendre soin, car on mérite par rapport avec la question raté gaz, qui, la cause que, mais, appareil, il y a du mal pour capable de fonctionner. Et il y a un pilote, je ne dis, il y a un pilote, syndicaliste, qui, il y a même placé Moyo sous ça, t'as coup, gagné, et son sort d'humé qui dit non tout que le fait une nouvelle qui venait au coup un coup de tonnerre camarade non René Préville Joseph a quitté nous mais avec un bas COVID-19 qu'il frappait nous voyons sympathie nos bas équipe CTH là avec famille avec proche camarade là secteur après un coup mais n'a dit l'idée avec vision yo pour payer à continuer bon traverser René Préville Joseph n'a dit toujours Jean Dédia dans tweet ça que Dominique Saint-Éloi lui-même fait côté il dit nous prenons un gros coup dans le secteur syndical, un gros pet secteur dans la peine. Nous perdons 11 amis, un professeur, un syndicaliste de combat. L'ITRM est bon en pile conseil. Camarade René Préville, Joseph, nous pas besoin d'oublier aux amis. Si nous perdons aujourd'hui à ses fautes, l'État irresponsable, esclave, bon voyage. C'est ça, nous capables de bon côté quelques syndicalistes qui, eux-mêmes, réagit suite après la mort René Préville Joseph hier dimanche 27 juin. Gagnant association pharmacien d'Haïti APH qui lui-même a condamné décision ministère santé publique à population pour ben autorisation et sur importance vaccin avec comme si débougué pharmacie l'état va capable bien avec COVID-19 là selon association décision ça déraisonnable et irresponsable n'est pas vraiment cadré avec la réalité et qui non moins ça côté un gros danger qui représente la population haïtienne là qui s'est vaguement monté COVID-19 là association pharmacien d'Haïti qui yo même n'a condamné décision ça qui malgré décision ça autorité surtout dans MSPP prend c'est vrai que décision ça li a bénéfique en faveur secteur privé à faire notamment association pharmacie li mais les qui représente un gros danger pour santé population haïtienne là en raison que l'État les mêmes pas disposé vraiment un laboratoire pour être capable vérifier garder est-ce que vaccin ça aussi au venir vraiment est-ce que yo normalement après répondre avec conditions vraiment chose j'aime déposer quelque chose avec docteur Adrien l'aime dit dire que est-ce que le vaccin sont arrivé ici est-ce que yo même y a gain moins pour passer là par il dit bon donc on est déjà sorti le pays comprendre pas même besoin de tester en tout cas mais association pharmacien d'Haïti dit mal comprendre que l'État qui prend disposition pour capable bail autorisation et avec vaccin ça et avec ensemble de l'autre on dit à pharmacie mais secteur qui même n'en chance ça pour question vaccin ça c'est arrivé en Haïti. Haïti pas disposé ça n'est un laboratoire contrôle de qualité pour capable vérifier vaccin ça s'il bon ou pas et non, c'est ça on capable de document ça association fait qu'on est bien de l'autre côté association quoi que décision ça constitue avec un manque avec, comme si manque à gagner pour la haïtienne non les tenant compte des réalités sur système santé haïtien qui est déjà faible en pile association quoi décision ça li a monté vraiment côté faiblesse l'état haïtien et l'état qui va gagner volonté pour capable vraiment poser problème pays surtout dans la question santé et garder tout question problème vaccination garder en amont avant même l'arrivée en aval pour dire garder depuis en l'air garder dans la question tester vaccin ça pour est-ce que tout bagage en forme pour lui avant même arriver fin bail à peuple haïtien monde qui décide prendre c'est ça association pharmacien haïtien eux même je dis par rapport avec fait qu'on est que vaccin ça qui capable gagner gros
mal comprendre décision ça et si l'État prend comme ça vraiment il y a des conséquences capable gain sur population haïtienne là. Toujours dossier coronavirus, ministre Chrétien Communication Pratelankès a critiqué débat qu'a fait sous maladie. Monsieur le président Jean-Bertrand Aristide, là, ministre l'a rappelé pas des biens, pas épargné personne. Tout groupe personnalité en cours. Boris Johnson, Donald Trump a déjà pris coronavirus là. Pratelankès a dit pas comprendre pour citoyens décider. Fait politique avec une maladie qui pas épargné personne. En côté Pratelankès, en amico Jean-Philippe Massier. Première vague pandémie qui d'ailleurs pas touché Haïti. Toucher surtout les grands de ce monde. Les grands de ce monde. C'est comme son maladie qui est faite pour taper seulement grand nègre. Quel soit domaine où tu es, qu'on en politique, qu'on en littérature, qu'on en cinéma, qu'on en star, qu'on en prince, et je vais citer pour quelques noms. Par exemple, Souprin, c'est des noms extraordinaires que je connais si nous aimons l'actualité de Mjavem, ou mon temps Boris Johnson, premier ministre britannique, il te prend maladie. Ya. Le prince Charles, il te prend. Le prince William, il te prend. Valéry Giscard d'Estaing, son ancien président français, non seulement le prend, il tue. Non seulement le prend Valéry Giscard d'Estaing, donc retenez ça, il tue le président. Le président français en fonction, qui est le Macron, non seulement Macron prend, il prend la toute madame. Le prince Albert de Monaco, nous connaissons que les Monaco, c'est des petits parasites, etc. Le prend. Donald Trump, président américain, en fonction. En fonction, il va connaître, non, il te prend. Tom Hanks, par contre, si nous connaissons le cinéma bien, Tom Hanks, son gros acteur américain, il prend. Madonna, par contre, si nous connaissons Madonna, hein, pour les qui gagnent 50 ans même, j'en avais mieux, Madonna prend. Manu Dibango, son gros musicien camerounais, presque français, universellement connu, il te prend. Et pour ça, moi, je fais allusion, ça, c'est parce que. Nous avons droit, parce qu'en Haïti, qui s'est passé? Nous parlons même quoi dans la maladie. La première chose, nous avons commencé par dire, d'ailleurs, c'est dans le monde entier, nous commençons par dire politique. Nous presque dire président Jovenel qui vient avec. Et quel que soit le président qui est là, nous avons un irresponsable de maladie. Donc, il est important pour nous connaître que c'est une pandémie. Donc, ce n'est pas haïtien qui inventé. D'ailleurs, dans l'origine maladie, hein, on dit que le premier, c'est en Chine. Et Mathilde, attention, nous, quand pile maladie dans l'histoire de l'humanité, pour nous qui lit l'histoire générale, il est bien sorti souvent en Chine. Hein? Donc, on a fondamentalement regardé ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, au grand pandémie, c'est en Chine. Donc, il fait toute une trajectoire. Et notre trajectoire, là, après, avant d'arriver à Haïti, c'est ça que fait, même si on s'est toujours tenté d'expliquer, on après que Haïti parmi les derniers pays qui pratiquement prennent la victime, yo, parce qu'il y a un bon groupe pays qui prend. Et donc, du coup, je dis, hein, nous, tant qu'on est à dit, nous, on sort de vagues. Le ministre Santé a pas d'accord avec nous pour nous dire deuxième vague, mais ça qui fait nous la deuxième vague, c'est parce que nous avons une première vague qui était très longue, mais qui n'a pas fait un pile dégâts, et une deuxième vague qui pétait, permettez-moi de terminer, un samedi, nous réveiller, un samedi 22 mai, pas jamais oublier ça, nous réveiller avec un DG en fonction les mêmes tout qui mourent. Et c'est là que tout a commencé. C'est comme ça que toujours aimé faire le terme de repère chronologique. Ça veut dire que DG ONA, c'est parmi les premiers mondes que officiellement nous avons assumé. Qui atteint la deuxième vague ça, et depuis l'OA, si nous gardons bien, c'est un coup le monde entier nous prend le premier, nous pas, il n'y a pas personne encore. Donc quel que soit le niveau social, et quel que soit l'âge, hein, quel que soit rang, quel que soit... 6 heures. Dans ce sens, le ministre qui s'est communication des populations continue à prendre précaution, respecter mes ibagayons en attendant vaccin arrivé dans le pays. Pradel Henriquez confirmé à MSPP, qui donc ministère de la Santé publique et population lancé appel à tout importateur produits pharmaceutiques qui voulait importer vaccin, mais faut qu'ils respectent les conditions ministères. En côté, l'autre fois, Pradel Henriquez, toujours dans le micro, Jean-Philippe Massé. Ok, et donc, une précaution que nous prenons, c'est noter que tendance, c'est que tant qu'on n'a pas habitué à la maladie, c'est quoi que pour nous à l'aise avec elle hein? et pour nous faire politique avec elle. Par exemple, ce matin-là, moi, nous faisons politique à la maladie. Maladie, ça, il n'y a pas de politique là-dedans. OK? Maladie, elle existe. Et ministère Santé publique, m'attirer attention, nous, c'est un coup son laboratoire, et vous-même toujours proche de ministre, communication toujours proche, parce qu'il est important que nous proches de ministre, ça, pour que ils suivent tout gros cas où qu'on est qui gagne maladie. Et donc, officiellement, même si le ministère n'a pas parlé, même si l'État n'a pas toujours parlé, mais nous suivre et aller dans l'hôpital, c'est sous médical non fonctionne. OK? Donc, ça, on a besoin d'attirer l'attention sur ça pour nous comprendre l'historique générale maladie ça.
et que je dis, hein, nous tout caprons. C'est donc aussi d'allier. OK? Nous tout caprons. Donc, ceci étant dit, ça, c'était COVID-là pour nous noter que, en définitive, la solution au COVID, moi-même, d'après moi, il y a deux aspects. Il y a un aspect vaccination massive. Et si nous regardons, après, il y a plus de pays qui ont commencé des démarches vaccination dans le monde. Donc, au point que gros pays, c'est au produit vaccin, ils prévoient pour faire cadeau 1 milliard de vaccins. Par exemple, les États-Unis prévoient 500 millions, l'Angleterre ou Londres prévoient 100 millions, donc ça fait aussi 100 millions. Donc, total, là-bas, 1 milliard de vaccins qui, d'ici 2022, Et voilà, ministre qui tient communication Pradel Henriques, toujours n'a prêté dans sa guépo avec qui a causé COVID-19 à côté. Gay Fondation Saint-Luc qui l'a même lancé sa réunion SOS avec autorité concernée pour aux questions carburant, questions gaz, yo presque pas gain là pour permettre que yo même capable fonctionner côté yo fait qu'on est là une situation pour gagner n'importe 300 cabanes puis 6 ambulances qui sont pour pas fonctionner par rapport avec alors carbonique sur oxygène donc pour produire oxygène tout ça pour gain carburant pour pas capable fonctionner important exactement mais ambulance c'est pour aller transport moun yo vin avec moun yo ça veut dire question raté gaz là le fondation Saint-Luc a dit avec autorité concernée avec l'autre acteur tout pour permettre que l'hôpital là capable joindre un carburant selon notre ça que mes problèmes raté gaz là qui a persisté dans pays et conditions sécuritaires qui dans surtout dans notre sud capitale haïtienne là qui empêché sa livraison diesel que depuis environ 10 jours un hôpital là tant pour capable un ben renforcer en mettant ensemble deux apparaître pour permettre que l'hôpital capable fonctionner ben activité l'hôpital Saint-Damien à Saint-Luc li sous route pour capable censé paralyser par rapport avec Jean si ça persiste pour question raté gaz non et il rappelé que bien l'hôpital Saint-Damien à Saint-Luc li c'est parmi jaune gros centre COVID-19 qui gagne en région métropolitaine non et yo gè plusieurs jours là yo presque a fait face avec la question carburant pour permettre qu'il fonctionne mais fondation Saint-Luc a lancé sa réunion SOS avec autorité étatique et puis le particulier pour capable garantir sa réunion urgence rapidement livraison 18 000 gallons diesel ouais 18 000 gallons diesel n'importe autorité dans l'état ou bien l'autre secteur ou bien l'autre acteur qui attendait ça là regardez comment nous capable venir en urgence avec l'hôpital Saint-Luc et Damien Fondation Saint-Luc pour permettre que ils joignent au total 18 000 gallons diesel pour capable alimenter l'hôpital là parce que c'est une centre COVID-19 qui gagne dans la région métropolitaine dans la cap en pile service et si ça va arriver fait ben Kamoun surtout qui fait pas COVID-19 yo compliqué avant longtemps d'après ça yo même yo dit l'autre point d'actualité a quitté causé COVID-19 en parler de dossier insécurité j'ai noté annoncé le pendant week-end la situation était très compliquée dans niveau commune Croix des Bouquets précisément dans différents du Valio côté nous apprendre 400 maos été metté pied au terre dans commune et au commettre pile dégâts plusieurs machines boulées et gen monde qui perdit la vie mais sous au compte Facebook la police non près la police lui-même dit concernant ça qui gagné dans commune Croix des Bouquets la fois passée pendant week-end non ben les constats que selon la police écrit mais quelques unités spécialisées la police en pays d'Haïti été déployées dans cette ville Croix des Bouquets pour y venir renforcer policiers crème ak blé qui na juridiction commune ça depuis un matin samedi très bien bonnet les ont remarqué présence en pile à gros âmes nan main qui était la cause yon fò panique dans zone ça la police a été metté pied pour prendre contrôle situation bandi ont fait bac et coulier à la paix alors depuis vendredi selon ça la police parle écrit sur compte Facebook li la paix retournait dans bon parti côté bandi ont metté pied à terre pas aucune installation police commissaire Tankou sous commissariat qui était attaqué selon information qui les mêmes gens ça t'a fait quoi là la police là fidèle dans mission te prend tout en mesure nécessaire pour identifier individu yo une façon pour empêcher yo bail population problème d'après ça non on capable sous compte Facebook la police j'en dédié à la situation qui pas fin trop bon non quoi des bouquets nous va venir avec ensemble les informations qui t'est gagné par rapport avec action bandi dans commune quoi des bouquets c'est vert j'en dis à c'est vert côté eh bien c'est presque en pile côté pendant week-end là soit dans cité soleil soit
soit dans Matissan et Vic dans Croix des Bouquets. Situation très compliquée par rapport avec ça. Oui, oui, c'est Negaxam qui a terrorisé la population et Jean nous toujours un dit ça, lui imprévisible, par contre qu'il est, par contre qu'il est ça privé. Et à chaque fois, monsieur Sao qui a me fait sortir, c'est un pile monde qui victime dans la population. Et samedi, bon, nous étions capables de garder sur les réseaux sociaux un paquet de bonnes machines qui boulaient, une dizaine de machines boulaient, et un cadre d'un enterrement qui t'a fait. Voilà, je ne dis à la bandit armé qui t'a opéré dans la commune Croix des Bouquets, surtout, il parlait de 400 maozos qui étaient eux-mêmes mettés pieds à terre samedi 26 juin, dans le niveau commune Croix des Bouquets, précisément dans la localité qui est Rémi. Cité Doudoun et Marassa 9, pour une cité zone ça seulement côté 400 maos ont été mis à terre. Selon élément d'information, il y a un monde qui perdit la ville et plusieurs autres blessés. Environ 12 machines passées en bas gros flammes diffées, surtout dans la zone paroisse Notre-Dame du Rosaire. Mais comme le des bouquets qui était connu une situation très critique par rapport avec 400 maos au Sahel qui et eux-mêmes ont commis une grosse action dans la zone ça. Selon l'information, mais en plus le monde capable de constater nèg avec un gros amtap déployé dans presque tout côté dans zone là et yo parlé de yo te marqué présence chef gang dans localité qui les cité Doudouna qui tout près zone 4 zone Kafou Marassa Marassa 9 et bien qui dans zone tout Rémi toujours encore avec dans quoi des bouquets côté Mississa yo te mettait pied à terre mélangé 400 maozo qui t'a bail problème dans zone dans commune quoi des bouquets précisément dans zone Sidayo Jandia n'importe alors yon monde sur l'information perdit la ville et il y a plusieurs autres qui blessés et qui environ yon dizaine machines qui ça s'est passé en bas gros flamme dit fait qui part trop loin paroisse Notre-Dame du Rosaire qui trouvait dans en commune Croix des Bouquets. La police encore qui était présente aujourd'hui dans commune non pas dans commune Croix des Bouquets mais fois ça dans Cap-Haïtien côté la police mène coopération dans Cap-Haïtien Jean Capablil sous compte Facebook la police nationale d'Haïti gagne une gros opération. La police menait dans Cap-Haïtien samedi 26 juin 2021 dans la localité qui est les non-zombies qui dans zone gros cap fort dans côté bandit t'a opéré dans zone ça côté plusieurs groupes armés t'a commettre ensemble des actions ak enlèvement séquestration vol à main armée et mettez ka différents caïmoun ben dans opération que la police te menait plusieurs bandits qui est tombé mortellement qui blessé mortellement donc la police stoppé la police stoppée mais parmi eux gendé qui eux même la police arrêté à côté de ça qui est blessé mortellement yo il s'agit de Wilson Sinclair qui gagne 20 ans alias Black Morpion et Justilien qui Gilbert qui gagne 25 ans tous les deux c'est originaire Sainte-Philomène gon policier qui touché dans échange coup de balle à Cabandio qui alors c'est dans Gileli mais balle ça t'a frappé lui et gagne pile monde la police eux même rivé et porter support avec yo qui pas gétant victime à bas mes bandits yo gagne trois âmes la police saisie gagne pile munitions yo saisie tout et l'autre objet que bandits même t'a opéré tant coup marteau manchette ciseaux pour capable citer ça que la police rivé saisi dans cadre opération yo talmenin dans zone si là et bien chef de file au mouvement ça groupe bandi ça dans cap haïtien dans zone ça monsieur relé un certain D et Fabi qui a dirigé commando ça qui gagne là dans 25 nègres qui mélangé là avec gros âme dans mais qui a ben problème dans zone qui me sont cité là mais finalement la police et zone font couchon qui me dit ça et gagne l'autre côté encore mais la police qui finit par prendre contrôle situation d'après élément information opération de la police toujours mais la police situation de sécurité pas seulement arrêté dans Cap-Haïtien dans quoi des bouquins n'importe où prince mais gagne dans ville dans grand dans département grand dans pays à tout côté gagne monde dans zone mais mon localité Roseau dans département Gadaspé à côté Mounio ça c'est qui quitter zone à cause bandi qui a fait rayer dans zone ça mais la police dans Gadas qui a pris toute disposition pour capable contrer car réaction bandi yo. La police est toujours avec question insécurité, mais fois ça avec DGA et la police, Léon Charles, qui les même parlé sous situation insécurité qui a besoin dans le pays. Oui, DGA et PNH qui fait qu'on est la police, ça prend toute disposition pour continuer de traquer groupe Améo, les mains des policiers pour caper Goumé Akio. La police a déjà mené 4 opérations dans un plan opération Yogain, qui a continué pendant le précisé, pas de gué étranger qui était dans l'opération. La police a été menée dans la boule 12 là, en côté déclaration Léon Charles. PNH, c'est Goumélié. Monsieur a attaqué le commissariat. Dans 3 dernières semaines, il y a 6 sous-commissariats qui ont attaqué. Et que, par exemple, il a tué
yo boule policier. PNH a déjà mobilisé, mais frappe ça, que ben dire, ben là, c'est ligne rouge que yo franchi, et nous dit mobilisation, mobilisation, c'est goumé lié. Nous avons eu 2 semaines, opération qui fait sous zone Badelma, cachée du feu. La police a été stoppée, réduite capacité de frappe gangzaïo et la poursuivre. Nous avons refait l'autre intervention sous même zone là. La police là, pendant l'opération ça, après l'opération ça, bandit Delma 2, 4, 6, attaqué en patrouille Simo, donc un policier qui tombé, qui a assassiné, et intervention été faite dans zone zaïo pour nous stopper, arrêter, pour chasser bandit zaïo. En réaction, ouais, tête bandit chaud, bandit a pris manchette, bandit a menacé, mais m'a dit, force légale là, c'est la police là. Nous frapper, ils ont utilisé les moyens forts, ils ont crasé le commissariat, la police là a résisté, et c'est ça que fait, nous continuer plein d'opérations que nous avons sous zone métropolitaine là, qui vient arriver la boule douce, sans conflicter rien, qui vient déboucher sur Matissa, mais bandit ça, ils ont rendu la population qui vit dans zone ça, la vie impossible. Nous montons opération, nous faisons pénétration, son opération dure 72 heures de temps, il est beaucoup fini. Résultat, c'est ça nous est. La police a démontré, quel que soit, même si on a cric moine, même si on est dans la cave, on a fait chaud. Dans Rémi, zone voie de bouquet et prend nous étions pour nous faire l'autre zone, à chaque fois, on a pris un capi précis que possible pour ne pas gagner trop dommage pour la terre. Mais c'est pour nous dire, c'est pour nous dire, son plan d'opération, nous faisons 4 déjà, nous avons 22 bonnes batailles, nous avons privé sur tout bandit, nous avons mis les moyens, nous avons réuni l'intelligence que nous pouvons réunir, faire analyser et nous avons monté l'opération. La boule 12, il y a des gens qui voulaient retirer le crédit, non mais la police a vous dit c'est blanc, c'est des policiers d'unités spécialisées qui entraînent, qui font l'opération. Bien entendu, quand arrive un moment pour que des consultants, consultants n'ont pas participé dans l'opération. C'est une opération qui est exclusivement conduite par des policiers, dans la formation, dans l'entraînement, ou qu'a gagné accompagnement. 6h15. DGPNH, là, qui t'a préagi sur dossier commissariat portail Saint-Joseph, là, qui crasé 10 institutions policières, là, pas prendre l'intimidation groupe armé, yo, qui a attaqué policiers, qui a certaines institutions dans la police, non. Léon Charles a rappelé, c'est la police qui a un monopole violence légitime, non. Donc, les quoi, l'inormal pour bandits sortis dans Trouillot, parce que la police a frappé de tous côtés pendant la reconnaître bataille pour territoire qu'a fait en payant, exigeant encadrement l'armée. Mais l'idée, la police a pas baissé les bras, d'ouvrant groupe armé dans différents quartiers défavorisés. En côté, pour une deuxième fois, DGAIPNH à Léon Charles. Image qui a circulé sous le commissariat. C'est Joseph, son défi, il est pour nous. Son problème en plus. Il est rentré dans le commissariat, il tue les policiers, il prend les policiers, il tue les policiers, nous tournons, nous frappons, nous frappons, il y a un côté qui frappe la sortie, nous continuons à frapper, et il y a une rage pour bandir, craser tout sac. Représenter la police, tout ça que représente l'État. Son défi. Nous ne sommes pas fiers de lui. Nous admettons que nous faisons retrait. Mais stratégie a défini pour l'État. La police, en tant que bras armé l'État, reprend le contrôle. Menace pas sous sous-commissariat Saint-Joseph seulement. Ils ont attaqué le policier Simo qui est tout prêt. Menace sous garage, menace sous inspection générale, menace sous Simo. Les bandits sont maintenant comme des bêtes blessées. Ils ont réagi de manière violente. Mais c'est la police qui a le monopole de la violence légitime. Donc on va pas utiliser le même genre avec eux. Méthode, intelligence, enquête, frappe. C'est goumen lui. On va pas goumen le même genre avec eux. Bataille qu'a fait là, c'est une bataille de terrain qui demandait un encadrement militaire. Mais c'est nous là, l'armée, à un certain niveau, accompagner nous. C'est même gens tout menace qui fait tout pillage qui dit, on est qui, dans un voyage d'un cap dit, c'est peuple à défendre, leader communautaire, mais les gars vont manchette pour la menace la population. Les gars allez débarquer dans le business world, à chercher coffre fort, à chercher l'argent. Ça a été volé, bandit, oh la loi. La police a continué à faire travailler pour empêcher que les gars continuent. Pas de problème. Il y a des bandits qui sont en dernier jour. Au top côté intervention DGAIPNH qui t'a réagi sous dossier commissariat portail Saint-Joseph là.
Nous prenons les mettre ensemble avec porte-parole l'institution. La police mène plusieurs opérations dans la boule 12 qui démarre le 23 juin 2021. Opération conduite avec la moto, trois individus dans l'échange tir avec la police. 6 autres jeunes arrestations. Plusieurs autres blessés d'après porte-parole PNH à Marie-Michel Verrier qui a annoncé que plusieurs matériels qui a entré dans le pays dans les dépôts capables aider PNH à faire face à ce phénomène. Groupe armé qui a fait et défend dans le pays, Marie-Michel Verrier. Dans la boule 12, il y a une opération qui était menée dans la date 23 juin 2021. Depuis plusieurs semaines, la police a eu information. Il y a un groupe gang qui est pour nous, macaque, qui a fait population qui est dans la zone de la boule 12, monter le ciel pas d'eau. La police a pris une décision pour mener une opération dans la zone ça. Pendant 3 jours, la police a été dans la zone ça, abdomen levé. Pour être capable de contrôler, rentrer, sortir, tout M. Sayo. Bien entendu, il était des informations sur qui ça a réglé, comment il a déplacé. Après 3 jours, ça, dans une 2h du matin, dans la date 23 juin 2021, la police commence l'opération. Côté, la police arrive, stoppe 3 bandits dans l'échange de tir. Il y a 6 autres qui arrivent à joindre l'arrestation. C'est Camilo de Staline, qui est un ambulancier, Étienne Jean-Marie, ambulancier, Moulin Noël, selon sa parent, il n'y a pas mis un monde qui était blessé, Charles Elisme, Jeannot Joseph et Maman Manès. Il y a plusieurs individus qui étaient arrivés blessés dans l'opération ça, que la police a cherché activement. Il y a 2 véhicules qui étaient arrivés récupérés. Il y a 2 armes qui étaient arrivées saisies. Il y a des bonbons de gaz de lacrymogène que la police est arrivée saisie tout. Porte-parole PNH Marie-Michel Verrier présente bilan opération la police a mené pour mois juin là. Pendant l'opération, la police a arrêté 152 individus pour divers chefs d'accusation, tant que kidnapping, association malfectée. Pour ne citer ça ou seulement, plusieurs véhicules à examen saisis, plusieurs individus qui font partie divers groupes armés tombés dans beaucoup de coups d'armes avec la police d'après porte-parole PNH inspectrice Marie-Michel Verrier dans le micro José Bellamour. Pour mois juin, la police arrive procéder à l'arrestation de 152 personnes. Il y a parmi eux 5 pour kidnapping, 65 pour association de malfaiteurs. Il y a 3 évadés de prison qui arrivent à mettre les mains sur eux et retourner au côté de l'OTI. Il y a plusieurs bandits qui arrivent à stopper et il y a 17 véhicules qui sont confisqués. Pour les policiers qui arrivent victimes, la police a enregistré 10 cas policiers qui sont victimes. Mais victimes, ça y a 2 par balle qui mourent, mais il y a 3 qui sont blessés par balle, qui prend soin que ça a mérité. Il y a 4 autres qui portent disparu. Il y a blessé par jet de pierre. Dans la zone Belader, il y a 3 membres de gang, la police arrive, mette les mains sur eux grâce à support population. 3 messieurs, ça y a 2 familles, la police a cherché. Gagné Louis-Charles Molière, qui était impliqué dans plusieurs actes criminels dans la capitale. Gagné Donald Sandville, qui est membre gang 17 euros, qui a fonctionné dans Rémi. Il a participé dans plusieurs cas d'enlèvement, braquage, assassinat, et un inspecteur qui était affecté dans la circulation. Gagné Jean-Baptiste Mackinson, qui est impliqué dans cas assassinat, il y a l'autre monde dans la capitale. Là. Et la population a aidé la police à empêcher de traverser les frontières pour être capable de répondre à la question de la justice. Ministre Travaux Publics, Transports et Communications, Joiseus Nader, proposé aux autorités concernées négocier avec Badio pour faciliter citoyens retourner la caillou, citoyens qui n'en font tamara avec citoyens Badelma. Ministre en quoi entre négociation, répression, autorité de choisir, négocier, les critiquer certains acteurs qui souvent qualifient massacre. Chaque intervention, la police dans le quartier populaire, ingénieur Nader dit qu'il y a une expérience dans le quartier populaire et puis plaider en faveur programme social dans la zone Sayo, créer travail pour réduire frustration, yon a quartier sa yo, un côté Joiseus Nader, un ami ko Jean-Philippe Massé. 1. Négociation totale. 2. Deuxième façon, répression totale. 3e façon, répression et négociation. Qui sont des moyens? Des gros problèmes dans la Haïti, aujourd'hui. Moun adverse qui a attaqué nous, très intelligent. A priori, yon met un ensemble de barrières et un ensemble de moun qui l'a pour indexer, de où besoin résoudre un problème, yon classe son côté. Et il y a privé côté au business. Ce n'est pas pour ça raison. Qu'on y a, dans 3-4 samedi, qui ça nous fait. Si nous négocier, bon Dieu, c'est pour nous. Si nous faisons répression, massacre. Et troisièmement, il y a tous les deux. Et l'heure du massacre, là, il suffit. Il y a des gens qui mourent, des gens qui mourent du massacre. Mais qu'on y a quantité de monde
qui mourent malsain, avec aucun massacre. Comment c'est éclairé, mes amis? Haïti, c'est pour nous. Parce que quand vous avez Haïti, c'est pour nous, même si vous avez tout l'argent payant, même si vous avez tout auto, tout belle comme tous vos garçons, pour mourir, c'est là qu'on décrée, on liquide, famille, progéniture, la dame, pour défendre. Non, on ne peut pas combattre, il faut négocier. C'est ça la logique. Nous négocions aujourd'hui pour résoudre pour les mounions, tout le monde c'est pour nous. Nous même pour nous éclairer, pour nous aviser, pour nous pragmatiser. Ça a nous côté nous idée, pour nous dire ça nous voulons réellement pour payer. Est-ce que nous voulons payer effondré? Eh bien, écoutez, parce que nous avons mis nous, nous mettons au code pour nous et nous marchons derrière. Gen ensemble organisation politique en position dans ta collègue cabinet avocatus la FIM qui déposé vendredi passé à la deux plaintes dans cabinet d'instruction tribunal premier instance Port-au-Prince yone compte diverses personnalités publiques tankou DGA IPN national Léon Charles PM Claude Joseph pour ne citer ça ou seulement pour non assistance ak moun Fontamarac Matissan moun Badelmatou qui en danger dans pays depuis plusieurs jours deuxième nan compte ministre délégué côté PM nan qui chargé question électorale à parti politique Mathias Pierre pour mauvais gestion 40 millions de dollars l'agent référendum nan nous connaît et hier là c'est pas de grand pile bataille cause coronavirus c'est un gros je vote référendum nous éviter écouter une extrait dans déclaration une pas parole ensemble dans organisation politique opposition yo qui c'est Edouard Saint-Fleur qui les mêmes t'ai parlé dans micro Josué et ben là mon bon appétit venir avec déclaration Édouard Saint-Fleur sous dossier ça. N'avancer la gagner collectif défenseur plus Gecko directeur qui c'est Antoine Montimé qui les même exprimé grosse charge le gain façon pays a bloqué dans niveau Matissan ça qui gain gros impact sur la vie sociale et économique en d'un pays. Antoine Montimé croit c'est connivence bandi ak acteur politique en différents camps qui menait pays a dans niveau le rivé jeudi là devant ses droits maintenant suite un accord politique pour faciliter crise insécurité résoudre comme ça doit en d'un pays. On écoute Antoine Montimé dans micro collaborateur, nous Jean-Philippe Massé. Bon, c'est avec Kessere, étonnement et même un peu d'énervement que nous avons suivi, que depuis deux semaines, nous avons eu un gros conflit armé dans la zone Matissan, Fontamara, qui bloquait et qui coupait quatre départements dans le pays avec Port-au-Prince, par le prochain cinq départements. C'est mon bon parti dans l'Ouest qui a affecté la question ça. Et une première conséquence, c'est une question déplacée interne. Pas que des milliers de monde qui déplacés, des familles qui déplacées, et ça a coupé toute activité économique. Donc, par exemple, nous-mêmes, au niveau des Français Plus, nous avons 5 collègues qui vont venir travailler depuis deux semaines à cause de pas qu'à traverser, pas de machines. Ils se sentent menacés, obligés de faire la caillou, et là où la caillou, c'est pas tout là, ils ont gagné, ça me parle les commodités pour travailler, question courant, ordinateur, internet. Et pour moi-même, ça est capable d'affecter l'économie du pays, et ça est capable d'être considéré comme un nouveau élément dans la crise politique que pays a traversé, dans la crise sécuritaire, dans la crise. Il a dit toute qualité qu'il a traversé depuis deux ans, mais je veux dire un nouveau élément. Et le nouveau élément, c'est Gouba Meyo qui a affronté une note et Cap Goumen pour contrôler le territoire. Et de côté de ça, nous venons rendre compte tout. Et Gouba qui gagne un symbolicien dans la tête de Barbecue, ou bien Gouba Meyo qui gagne un barbecue dans la tête de ou bien M. Chérisier, dit même tout, l'a exhibé des gros armes et fait des menaces sous organisation de la monde, sous entrepreneur, sous journaliste, et dans ça, pour nous-mêmes inquiétant. Donc, faut nous rappeler la situation que nous avons là, c'est sous les connivences, certains leaders politiques, soit dans l'État ou bien dans l'opposition, avec nous, qui nous avons dans le quartier populaire. Faut nous rappeler les comportements de certains parlementaires, et les gens qui n'ont pas qu'à amis derrière eux, les pas parlementaires, comme nous avons toujours avec examen de pour nous rappeler quelques personnes dans le pouvoir, quelques fois qui ont connivence avec nous, qui ont des âmes, et quelques personnes dans l'opposition, quelques fois qui ont connivence avec nous, qui ont des âmes. Derrière, qu'on synergie, qu'on interrelation entre nous qui ont le pouvoir et l'opposition, nous qui ont le pouvoir, je dis, ils étaient dans l'opposition il y a quelques années, et nous qui ont l'opposition, je dis, ils étaient dans le pouvoir. Donc, tout à dit, son responsabilité partagée, celle qui peut-être pas une grosse responsabilité dans la question, ça n'est pas une responsabilité. C'est simplement dans la relation, c'est même avec vous,
qui nous-mêmes qui pas fait expérience avec mon armée, qui pas fait expérience pour moi, donc nous peut-être pas une implication. Et si nous avons une implication, c'est que peut-être nous manquons de dossier, et c'est ça qu'on a fait là d'ailleurs. Nous assumons responsabilité, le fait qu'elle a dénoncé l'irresponsabilité des hommes et des femmes politiques. Et globalement, pour responsabilité de l'État qui va assumer complètement pour désarmer les armes légales et pour régulariser la question ça et pour joindre en sorte de formule pour nous retourner vivre dans le quartier populaire, pour retourner vivre dans le pays avec tranquillité et suspendre le niveau de criminalité. Régional Boulos s'est qualifié persécution, décision, unité lutte contre corruption pour les semaines passées. Entreprise d'affaires qu'on est président Jovenel Moïse voulait persécuter elle à cause des estimés président MTV à pas de campé en face li. Régional Boulos fait qu'on est chef l'État précisé dossier ça pour être focus li sous dossier départ président Jovenel Moïse. Entreprise d'affaires qu'on est au pral poursuivre devant la justice directeur général ULCCA. Un côté d'intervention Régional Boulos, Nabiko Alex Saint-Surin. Jovenel pensait que je n'avais pas de droit à virer en face. Li. Et pourtant, pourquoi ne m'avait-il? Elle dit le 4 février 2019, je suis le président Jovenel Moïse. Je dis président, nous pas sous même ligne encore. Parce que ce côté où après aller, il n'y a pas l'âme de aller. Donc lui-même, il pensait que je n'avais pas de droit à faire ça. Et regardez, il dit une série de bagailles que je pensais qui ne sait pas me connaître. Il dit ah, mais Réginal, j'ai un contrat d'équipement de près de 60 millions de dollars et puis pour le virer contre moi. Mon cher Mabdou, si c'est pour ça, le président a acheté matin, midi, soir. Ou pas qu'a acheté. Moi, j'ai mis tout bas l'autre jour. Mabdou de la radio. Il y a 65 ans. Dis, je dis à garçon, il y a deux façons corrompues. L'argent avec femme. Je ne vais pas corrompre l'argent. Et à l'âge, je ne vais pas corrompre ma femme, c'est 65 ans. Bien. Donc, et je pense que ça énerve un peu le monde. L'homme dit qu'il n'y a pas corrompre. Moi, je viens dans l'État. Je n'ai pas besoin d'argent d'État. Alexis, moi qui m'a dit que ça m'a cherché. Vous ne pouvez pas avoir un secteur privé, vous voulez faire politique, vous courez d'elle. Eh bien, je venais le nom de directeur de l'UNCCA. Les deals, ou un dossier boulot, c'est moi-même qui ai géré avant. Et c'est moi qui ai dit le pour avancer, le pour faire bac. C'est moi qui ai géré avant. Eh bien, moi, je fais une interview Caraïbes il y a 2 semaines qui frappe fort. Joue ça. Quand ça avait fait sous Caraïbes, il a fait Stanley lui qui a monté tout de suite après pour dire faut Jovenel assassiner. Il a dit ça à la radio. Stanley lui qui a cité Washington, les deux radio, il faut que Jovenel assassine. Même pas de comprendre, peut-être que ce n'est pas de physiquement qu'il a parlé. C'est caractère assassination. C'est assassiner caractère et puis on monte des faux dossiers. Mais ça, ça va à l'avocat, M. Madistin, qui est l'un des meilleurs de la place, pour aller répondre, si ce n'est pas après-midi à lundi matin. Et moi, je n'a pas signé ULCC. N'a pas signé Anne Joseph. Il faut que je dise à fonctionnaire public qu'on est, le l'âme, amio, bar au président, et faut faire tout ça qui passe, supposé fait, qui est illégal, il y a poursuivre. Nous-mêmes, nous pouvons poursuivre tout fonctionnaire qui a fait persécution politique. Pas aucun bagage dans le dossier ULCC. Nous avons terrain que nous avons fait un projet de logement là-dedans. On a, quand on est potes qui font une pension aux États-Unis, prend 22% actionnariat. N'a toujours été dans le même dossier, ça a gagné avocat groupe Boulos qui contestait vivement sa dernière décision directeur général, unité lutte contre corruption, ni même prend là pour ordonner sa dernière pour capable geler 260 millions gouttes de groupe Boulos. Côté, et ça a menacé là, l'autre côté traduit en justice. Ensemble, avocat, ça a eu menacé pour traduire en justice directeur général ULCCA, qui lui-même, c'est Hans-Jacques, Hans-Jacques Ludice Joseph, directeur général unité lutte contre corruption ULCC, maître Hans-Jacques Ludice Joseph, ordonné à qu'institution bancaire dans le pays pour capable geler 260 millions gouttes qui appartient avec Pierre-Réginald Boulos, Natacha Blanc, Brice Sébastien Boulos, Isabelle Valmé, Yosil Pierre-Emeline Girovna. Mais ensemble, avocat s'est qualifié illégal sommation que DG c'est ça lui-même fait contre entreprise Boulos, avocat mais Boulos yo bayon ultimatum 72 ans avec DG ULCCA pour le capable retourner sous décision ça et passer délai ça. Et bien ensemble avocat Batrice
qui avocat ça yo menacé pour capable en traduire en justice monsieur Hans-Jacques Lulutia Joseph qui lui-même c'est directeur général ULCC maître Samuel Madistin et maître Jean-Gary Rémy yo assigné DG ULCC ya côté au palais d'Ombre de Fer qui annoncé entre Prota Agonicio sous dossier si là côté ULCC même prend bail décision là ordonné là pour capable geler 260 millions goudes avec banque dans pays ya sous bien mais la famille Boulos mais Boulos lui-même qui la Boulos parmi eux dans monyo gagné par rapport avec mais sur ça gay batki avocat qui a défendre Boulos là qui parmi eux maître Samuel Madistin qui bail un ultimatum 72 ans pour que DGA capable retourner sur décision ça sinon yo même dans batki avocat il a traduit en justice DG ULCC qui c'est Hans-Jacques Ludic Joseph. Responsable MTV a expliqué qu'il y a une grosse menace sur ville c'est tout business lié. Reginald Boulos, par exemple, façon, bah, il y a plusieurs magasins parmi les dépôts de Titoni, il est considéré comme opposant Jovenel Moïse. Entrepreneur Athéna, Miko Alex, c'est sûr. Bon, écoute. Si Jovenel était un petit morceau d'amour pour payer, il t'a supposé joindre un accord politique pour quitter le pouvoir tout de suite. Pour épargner pays à misère des 7 prochains mois. Maintenant, s'il pas fait, nous allons passer de mauvais moments. Je sais que ma vie est en danger. Il y a une menace sur moi, matin, midi, soir. Et il y a un bandit qui fait menace qui cite nom. Le va citer nom, mais cite business. OK? Le jour, maquette, maison machine, avec mes palais. Vous d'accord? OK? Très clairement. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je ne sais pas. Il y a un combat. Il y a un combat. Je vais vous faire allusion à quoi que c'est barbecue, si vous voulez. Moi, je ne peux pas citer, non. Oui, oui. Mais maintenant, en tout cas, là, le dire que le souvenir d'un bagage qui est assez fondamental. Il dit que, si je me trompe, qu'on a attaqué sacrété pour nous dans le banque, dans le market, etc. Et la machine, on a le prêt. Parce que c'est une machine, tout. Mais en tout cas, on s'est tous concernés, on dit ça. Bon, écoute, nous tous, nous sommes concernés. On vient de piller. On vient de piller 3 grands dépôts pendant un week-end. On a fait tout le week-end à piller. Imaginez, un pays, il fait 48 heures à piller, à petit, pendant 24 heures sur 24. Mon apporté a sorti. C'est qu'un coup, il a apporté dans le magasin mes marchandises là, gratis. Okay? Mais quel est le plus grand dépôt qui a été pillé? Titoni. Titoni Bennett, opposant politique. Gardez pour vous sacrifier 4 dernières années. C'est le gouvernement des 30 dernières années où il y a eu le plus de massacres qui a présidé, Mabissé Opfel, qui a présidé au plus grand nombre de massacres, qui a présidé au plus grand nombre de déchoucages d'institutions du secteur privé. C'est un accord politique qui est capable d'éviter pays à tomber dans l'obéi, dans gros déblousaille, dans ce qui a venu là, parole Reginald Boulos. À travers accord ça, Jovenel Moïse doit accepter quitter pouvoir. Responsable MTV a critiqué complètement groupe en être leader chef l'État qui passe jambes les prend août dialogue. Gain toujours collectif défense plus qui dit gain gros inquiétude pour prisonnier dans contexte coronavirus cavalé terrain dans pays à défense plus mandat d'autorité de travail pour réduire phénomène détention préventive en prolongé à Gedjebs de Ralus, une responsable organisation en croé, pas aucune possibilité pour un prisonnier pas attrapé pandémie. Dans le contexte, ça, les Français doivent nous rappeler ces droits tout citoyen pour passer devant Jijio pour la justice à pencher sous caillou. Parole une responsable collectif défenseur plus qui c'est James de Ralus. Ministre Travaux publics, Transport Communication, Joiseus Nadia critique le comportement bidag Banque mondiale qui pas jamais débloqué l'argent pour construction. Plusieurs projets, malgré promesses qui ont été faites, un comportement qui fait président paraître comme bluffé alors que l'autorité n'a pas qu'à faire un sous-projet ça, sans bailler ça, qui était déjà metté le budget. Joisé Hussein Nader a demandé aux organisations de changer comportement face à pays d'Haïti. L'autre information, il y a un ministère des Affaires sociales et du travail qui lance officiellement projet intégration politique nationale, protection et promotion sociale, une planification avec action locale vendredi 25 juin dans l'idée pour capable permettre à plus de monde plus
plus monde intégré yo socialement dans politique pays d'Haïti. Ministère affaires sociales et travail à Marie et ministre affaires sociales à travail à Marie Gislaine Mon premier dit le compter son implication tout acteur concerné pour réalisation projet ça pendant le faire connaître projet ça joint support NUD c'est ça qui était fait pendant aucun ministre affaires sociales à travail. Dernière information là on capable mettre bout avec développement information yo bon dit bien nous apprendre la gagner pendant week-end là gagner un confrère journaliste nous le nouveliste qui est le Fritz Pinvin qui blessé en babal bandi dans ce vendredi 25 un pour le vrai jeudi samedi 26 juin 2021 dans zone rue Capois dans zone Barpechose dans zone métropolitaine Port-au-Prince confrère qui recevait voix pour pipiti 3 balles saio dans moment il t'apprend que la Kaili côté était obligé courir avec les anijas parce qu'elle était blessée grave journaliste là qui était doué opérer alors hier matin mais là pour l'été capable de soulager avec douleur yo d'après ça qui a rapporté sur état santé journaliste qui s'est frit ça peut 20 non journal non le nouveliste négal gros âme dans pays a pas suspendre si mais là tout bail personne monde pas épanier en bas ça insécurité a depuis bien longtemps en bas autorité yo dans pays a qui semblait soude et qui semblait paroi parce que c'est chaque jour qui passait mon victime en bas mais bandi dans quartier défavorisé et je vous dis là tout dérouler les quartiers résidentiels yo commencer toucher tout par question insécurité avec gros âme mais bon arrivé pour nous capable payer loyer nous l'en retour.